qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Do I have the time to return and see those dear to me? Oh non. Oh non, il va pas crever tout de suite. How are you feeling? Death is on my doorstep and all hope has flown through the window. Oh non. Come closer. What ill tidings do you bring? Yes. I thought you'd like to know that the Coin Guard's attempt to take control of the island has failed. This is excellent news. The kind I've not had in a great while. Thank you, Kurt. Were it not for your loyalty, we were lost. As for you, my dear cousin, you know what I owe you. Not only have you looked out for me, like always, but you have protected my advisors. Yes. And if your highness would permit, I would like to relay our most sincere gratitude from all of Teleme. Thanks to your message, the Mother Cardinal was able to thwart the commander's plans. By the grace of the Illuminated, the city is saved, and the traitors punished as they should be. I was told that you were able to catch the commander before he got away. Barely, but alas, his lieutenants managed to escape. I care little for the underlings. The commander will pay for all of them. Do you happen to know the punishment we practice for treason? Oh yes. I remember now. Enough talk of ruffians. They failed, and for that, I again thank Kurt. If your highness is looking for a means to translate his gratitude, gold is a present that is always appreciated. I imagine that you shall name a new commander. Yes. I will discuss the matter with loyalist officers, but I think I know who will be elected. I hope it is someone whom we can trust. We do need soldiers, but loyal soldiers above all. We are well aware that the guard's reputation has been tarnished. We will not make the same mistake twice. Sieglinde is solid and loyal. I have fought beside her. You have my complete trust, Kurt. You have amply earned it. Before you leave, I must ask you something. All right. Oui. I'm listening. Tout ce que tu veux, vas-y. I'm always suffering, cousin. I'm in such terrible pain and we're yet to I'm sorry. I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer, with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men lives in San Mateus. His healing powers are supposedly miraculous. Alas, it is a miracle we are in need of, my son. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem, Teleme are prey for the Malachor, just like the Bridge Alliance. Perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. The sailor's right. The holy men and the sages had their chance on the continent, and we all know how that went. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Composer l'équipe, ouais. Kurt, tu vas venir avec nous et Siora aussi. Et oh, je pense. Au début, je pensais qu'il est. Je pensais pas qu'il attraperait la Malicor, franchement, c'est. Oh là là. Oh là là, je pensais vraiment pas que ce serait à ce point-là, quoi. Parler de Petrus, de son plan... Ouais, mon... Ouais.
Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire ça? Je sais pas. Oh, je pensais pas que ça, ce genre de choses arriverait, quoi. Oh, c'est affreux. Et on est même pas niveau 19, quoi, l'arnaque. Bon, là, franchement, c'est la catastrophe. La grosse catastrophe, même. Constantin a attrapé la Malicor, ce qui est vraiment vraiment le tournement d'histoire que j'aurais jamais cru, quoi. Je savais qu'il était malade, enfin, je croyais qu'on l'avait empoisonné ou quelque chose comme ça, mais pas qu'il avait attrapé la Malicor. Enfin, ouais, c'était choquant à découvrir. Du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai pas avancé trop vite dans la quête principale? Parce que... voilà, j'aurais pu trouver des renseignements sur un remède à la Malicor en faisant ces deux choses-là. Mais je voulais pas y aller parce que ça faisait partie des deux factions. Je commence à me demander s'il vaut pas mieux que je fasse ça avant de m'occuper du sort de Constantin. Parce que si je fais ça, cette quête-ci, les souffrances de Constantin, je me demande si la quête principale ne va pas avancer. Du coup, ça me fait peur un peu. Aussi, on a les... disons qu'on a aussi une quête secondaire à faire avec Petrus. Petrus, la dernière fois, voulait trouver des choses pour discréditer... enfin, non, pas discréditer, mais enfin... trouver les secrets de la cardinale Cornelia pour pouvoir éviter qu'elle manipule Constantin, quoi. Donc... révéler peut-être ses secrets ou quelque chose comme ça. Donc, je me demande... on n'a pas de limite de temps, hein. J'ai bien lu, mais je préfère m'occuper des quêtes secondaires pour le moment. Donc, celle de Petrus, notamment. Et on verra par la suite... on gardera aussi si les autres n'ont pas des quêtes secondaires pour moi. Ou des choses à nous dire. Je sauvegarde d'ailleurs. Petrus. I need to speak with you, my child. Ouais, ça j'avais compris. Yes, Petrus. What is it? I've come up with a plan to put what we've learned about the Mother Cardinal to use. Do tell. You will have to take part in a fight in the arena. Sans blague. And we must make sure that the odds are high. To do this, you'll have to face a champion. This will lure her in. That would effectively raise the odds. But the risk is they'll bet against me. That may be the case. But the highest bets are based on the exact time of the defeat. I see. We are going to make the Mother Cardinal believe that I will lose at a specific time. Ah, and by doing so, you'll win something bigger than a fight. This will make her lose a considerable amount. Exactly. I've even taken measures to make sure her usual moneylender is unavailable. Without knowing it, she will come to me looking for gold in order to place her bet. And she will be at our mercy. Is this how you settle scores in Talaime? This is how all scores are settled, my child. Or on the battlefield. But that's much dirtier. So, what do you say? Ben, on va devoir accepter, hein, pour qu'il soit dans notre camp, hein, après tout. It's a complicated plan, but an effective one. Ouais. Let's put it in motion. Let's go back to the Saint Matthias bookmaker. Your skills seem to interest him. On va emmener Kurt avec nous. C'est peut-être mieux après tout. Convaincre le responsable des paris d'organiser un combat. Ouais, on va faire ça. Je vais sauvegarder quand même. Ici, on sait jamais. Voyager. Trouver un guérisseur. Ouais, ça c'est pour la quête principale, mais ça on fera après quand on aura terminé. Quand on aura terminé avec la quête secondaire de Petrus. Oh, j'espère que ça va pas me valider.
Le guérisseur de Saint Mathéus, hein, j'espère. Mais bon, j'ai sauvegardé, c'est pas grave. Si jamais ça me le fait, ben à ce moment-là, ben je serai obligée d'arrêter. Non, espadon, agilité. Ouais, c'est même beaucoup mieux que ce que j'ai, mais ça coûte cher, hein. Quand, encore une fois, je sais que je me répète, mais là, ça coûte hyper cher, quoi. Ça aussi, il faut tir précision 3. J'ai pas tout ça, moi, hein, mesdames et messieurs. Je suis pauvre pour le moment. On peut poursuivre le voyage. Ne me parlez surtout pas de ce foutu... Non, ça va, j'ai rien à ma maison. Non, lui, on va surtout l'éviter. On va aller voir le responsable des paris. Pour faire en sorte que notre plan soit mis en œuvre. Il était sur la table, lui, on est bien d'accord. Non, mais à un moment donné, je l'ai vu sauter de la table. Celui-là en face. Bon, peu importe. Bonjour monsieur, nous venons prendre part au combat. Good day. Welcome. You here to wager, to fight? L'interroger sur les paris, demander à affronter un champion. Oh. I want to challenge the champion of the arena. A champion? Really? Ouais. Now. Ouais. You were asking about Candy Cane. It wouldn't be him that sent you here by any chance. No, no one has sent me. I'm looking to make a reputation for myself. Ah, that sounds better. Right. It's true, you have talent and the public does like you. Let me think. There is Briscard, one of our old champions. It's been a while since he fought, but he did ask me to set something up for him. He's not a youngster anymore, but his name is known. And he's a killer, I'm warning you. This Briscard sounds like the perfect opponent. J'espère qu'il est pas plus haut level que moi, hein, sinon ça craint. I'll work on getting things ready for the combat and line up the betting. Until then, make sure you're ready. It'll be a duel. Your friends will need to stay in their seats. As soon as you're ready, you'll just need to go and see the arena master. We should go and see Candy Cane so he can set up our deal. So when you win, she will lose her bet. Ouais, mais ouais. Le souci, c'est que... Le souci, c'est que je serai seule contre le champion. Ça va être la grande démandade. Quelle horreur. Alors, sucre d'orge, où est-ce qu'il est encore? Où est-ce qu'il traîne encore, cet abruti? Ah, toujours au même endroit. J'espère que c'est pas la nuit, hein, qu'il faut attendre pour aller le voir, parce que ça va être science. Il sait pas venir en pleine journée comme tout le monde, franchement. Bon, c'est par là, a priori, hein, je suppose, hein. Candy Cane is not here. At least not yet. Remember, my child. Ah oui, c'est vrai, il arrive la nuit. Oh là là. That's true. You're right. Let's come back later. Mais je veux pas la nuit. Fait sombre la nuit d'ailleurs. Bon, on retourne au... Non, c'est pas la caserne du denier, ça. C'est la maison que je cherche. Ouais, la maison, c'est tout droit. Bon, je crois que c'est par là, hein, la maison. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est par là. Laissez-moi rentrer à la maison. Ah, voilà. On arrive. Voilà. On rentre à l'intérieur. On va se reposer. On sauvegarde avant, évidemment. La nuit. Voilà. Maintenant, on fait demi-tour. Enfin, j'espère que Constantin ne va pas crever. C'est tout ce que j'espère. Bon, c'est vrai que c'est un grand arrogant. Au début, c'était un grand arrogant
qui n'avait de cesse à se vanter ses mérites et son prestige et tout ça. Mais... Et je me fais attaquer, super. Mais oh, mais arrêtez! Allez! Allez, barrez-vous! Bon, je crois que Petrus s'en sort beaucoup mieux sans nous, en fait. Ouh, je suis niveau 19. Taratatatara, je suis niveau 19. Ça tombait bien, cette attaque de bandit, hein. Oui, donc, comme je le disais, Constantin ne mérite pas de mourir, hein. Ça a beau être un beau parleur, tout ce qu'on veut, mais il mérite pas de crever, quoi. Surtout de la malicorne. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ouais, on a tout au niveau des soins. Maintenant, je veux m'occuper du bouclier. Augmente légèrement la furie à chaque coup reçu. Ouais, intéressant ça. On va prendre ça. Mais non, mais... Quoique non, attends, je voulais voir. Le bouclier, c'est 2. Ah, le bouclier, c'est 2. Ok, pas de problème. Je me souvenais plus de la touche, autant pour moi. Attribut, qu'est-ce qu'on va prendre? Prochain point, niveau 22. Ouais, alors là, je sais... Non, constitution, certainement pas, mais... Je crois que je vais prendre agilité ou bien... Ouais, on va prendre agilité. On fera plus de dégâts. Talent, c'est niveau 21. Ouais, dans... Comment? Ce sera dans... Allez, disons... deux niveaux. Non, mais c'est loin, deux niveaux. Je suis niveau 19, c'est ça? Ouais, je suis niveau 19. Mon sucre d'orge, t'es où? Oh, je suis encore perdu, mais c'est pas vrai. Et c'est par là, en plus, hein. Je me trompe, hein. Forcément. Voilà, c'est ici. Dépêchons-nous avant que le jour se lève, hein. Encore vous. Allez, défoncez-moi ça. Voilà, merci. Poussez-vous, laissez-moi ramasser tout ça. On en a besoin pour l'or, tiens. Mais je suis... coincé à cause de cette charrette. C'est dingue ça. Alors, sucre d'or, où es-tu? Tu es là. On va sauvegarder avant. You again? What do you want this time? À ton avis? Oh! Laissez Petrus intervenir. Charisme. Lui demander d'arranger. Why so defensive? Petrus, you have a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. You have a reputation of being a first-class manipulator. Wait, at least listen to our proposal. You really take me for an idiot? Gentlemen, teach them not to mess with me again. Ah, bon ben on va recharger, hein. Petrus, franchement, t'aurais pu faire un effort, quoi. Bon, on a chargé, c'est bon, on va recommencer. You again? Oui, c'est what nous, do you want encore. This time? Allez, Petrus, fais un effort. Why so defensive? Petrus, you have a proposal to make, I believe. That's right. I've thought of a little scheme that could make us all very rich. You know me, so you also know I'm quite clever, and that my ideas are always fruitful. You have a reputation of being a first-class manipulator. Wait, you really? Maybe ah, mais c'est pas vrai. Petrus, il est nul en persuasion. J'aurais peut-être te faire ma manière, mais après. Bon, Petrus. Je te laisse une dernière chance. You again? What do you want this time? Allez, Petrus, je compte Why sur toi. So defensive?
Petrus. On va passer right. un peu. You know, and that my eye. They do say that you are devious. Ah, ben voilà. Perhaps too much so for your own good. Go on. My friend here loves the glory and sand of the arena. I've gained quite a reputation. Soon I'll be taking on a true champion. I'm no fool, though. I know I won't last long against him. Yeah, I've seen the odds. Everyone expects you to lose within a minute. So what? Let us suppose that our champion is a little less aggressive than usual. If the fight can last at least 5 minutes, an informed bettor would win the jackpot. And I'd keep a little of my pride. Very well. I'll arrange it. But no dirty tricks. Don't take advantage of the deal and try to beat the champion. Si, si. If you do, he'll wipe the floor with you. You want to get your money. Don't get too greedy. Attendre l'organisation du combat. Quoi? Attends, ça, je dois attendre un jour. Ah non, mais ça va être hyper long. Moi, je vais là-haut, moi. Ah, mais ça va être trop long. Bon. Pourquoi j'ai l'impression d'être attaqué alors qu'en fait, il n'y a personne dans les rues. Bon, on va attendre chez nous, mais... Je pensais pas que ça durerait si longtemps, quoi. Bon, on va attendre quelques heures chez nous, peinard. Voilà, on va sauvegarder ici. Se reposer, attendre. 4 heures, 5 heures, 20 heures. Ah ouais, d'accord. La blague. Se reposer jusqu'à la nuit. Ça fait 22 heures. Ah, 22 heures, attends. Ouais, on va tester ça. Donc, il nous reste plus qu'une heure. Bon, ben le temps que je me perds dans la rue, tout ça, il sera bien passé. J'ai bien attendu 2 heures la dernière fois devant la hutte de l'autre imbécile qui nous avait roulé. Alors bon, pourquoi pas ça, hein, j'ai envie de dire. Attendre l'organisation du combat. Bah oui, mais c'est où? Caserne du... Non. La taverne, voilà, c'est ça que je cherche depuis longtemps. Voilà, on est tout prêt en fait, c'est parfait. Enfin, j'espère que c'est là qu'on doit aller. Bon, les 50 minutes vont passer vite, j'espère. Pardon, excusez-moi. Bon. On peut pas boire un verre en attendant, manger quelque chose. On a des pommes ici. Citoyen de Telem, parlez. Un passant qui ne passe pas, évidemment. Ah bah voilà, ça va durer dans pas longtemps.